deux finales d'UEFA Champions League en 3 ans. Ça, c'est plutôt original. Ouais, mais enfin, il fallait bien rembourser les travaux. Donc, on a eu le Barça qui a battu Manchester United ici. C'était en 2011. Et donc, c'était la finale 100% allemande. Hein, Bayern Dortmund en 2013. Pour Bilen, comme finale, d'ailleurs. Ouais, pas mal. Peut-être de mener. Ouverture. Oh, c'est contré ce tir. Le tirceur. Attaque anglaise. Essaye de trouver la faille. Non, non, ça ne passe pas. Le ballon dégagé au large. Lucas Torreira. Non, elle a été interceptée cette passe. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Il va falloir faire attention au marquage sur cette remise en jeu de l'Angleterre. Ce sera un tranquille pour Fernando Muslera. Ballon pour l'adversaire. Ballon qui est donné en profondeur. On cherche une solution. Les coéquipiers n'avaient pas compris. Oula, la porte. On cherche la faille pour la défense adverse. Mauvais dégagement là, attention. Emporté sur ce tacle glissé, on dirait. Sur un ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Ouais, Willem passe directement à l'adversaire. C'est une bonne option disponible. Continue sa progression. Wayne Rooney. Rodrigo Betancourt. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Il passe en retrait pour le gardien. Les Anglais qui vont essayer de créer le danger. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Edinson Cavani. La passe est coupée et bien défendue. Les attaquants anglais sont vraiment en panne d'inspiration dans ce match. Pour la possession. C'est donc un coup franc pour l'Angleterre. A bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Sébastien Coates, Luis Suarez. Ah, on connaît les qualités techniques de Luis Suarez, son habileté devant le but. Dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Volé. Dans la zone dangereuse, c'est contré. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ah, c'est la mi-temps dans ce quart de finale. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Castorera cherche une solution là. Oh, il attrape le montant. Allez, ça c'était le cas de cette fois, mais je sens qu'on va avoir d'autres occasions franches dans ce match. Et c'est l'équipe qui osera le plus qui gagnera. Federico Valverde.
Lucas Torreira. En profondeur. Diego Godin. Rodrigo Betancourt. Qu'est-ce qu'il va faire? Contrée. Edinson Cavani. Oh, il est tout près, la Suarez. Oh, le beau geste défensif. Cavani. Il faut trouver une ouverture. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ouais, belle sortie. Diego Godin. Godin. On écarte le jeu. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Luis Suarez. Bien repoussé par la défense. Gomez. Espace, il l'a vu. Suarez. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Ouais, la frappe. Le dernier mot pour le gardien. Oui, bon. Avec ou sans stats, c'est confirmé. On assiste à un bon 0-0. Tout ce qui est plus agréable, des occasions, beaucoup d'occasions, mais bon, côté possession, aucune équipe ne prend le dessus. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Lucas Torreira. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Non, c'est contré. C'est sûr que c'est à un moment du match où l'équipe a besoin du soutien de son public. Ça peut faire la différence. On rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Cherche des solutions là. Il est sur la trajectoire de ce centre, mais il doit vite dégager ce ballon. Bon, il roulait. Il cherche une solution. Il la reprend volée. La passe est coupée et bien défendue. Il y a le score qui reste nul au village alors qu'il ne reste que 5 minutes à jouer. Il essaye de trouver la faille. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah non, c'est mal négocié. La passe. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ouais, bonne intervention de Sol Campbell. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. On cherche toujours à faire la différence dans cette fin de match. Il reste peu de temps. C'est souvent difficile à ces prolongations. Il faut piocher dans ses réserves et c'est souvent là que se fait la différence. Ouais, plus facile à dire qu'à faire, mais enfin avec un mental en béton, en général le physique. Cavani. Luis Suarez. Edinson Cavani. Edinson Cavani. Donc on apprécie généralement à la fois la polyvalence. Ouais, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Qui est rendu au camp adverse. Ça n'ira pas plus loin sur cette action. Il a le tiercer. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, il a pris sa chance de loin. Ratchet, so we're moving get ratchet. Fuck what you heard on the internet. She loves a bad man, mad, mad lad, skilly bend. Pop, 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 pop. You might get hit by the killy them.
Yo, fuck what you heard on the internet. She loves a bad man, 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 like Skilly Ben. Pop, 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 pop. You might get hit. Federico Valverde. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Ah, il va centrer, il va centrer. Heureusement qu'il était là. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. C'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. L'entraîneur qui procède actuellement à 2 changements. Et tout va se jouer donc. Et à mon avis, en regardant les joueurs sur le terrain, je pense que certains risquent d'avoir des crampes. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Et de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. On s'observe de part et d'autre, on tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats. On dirait qu'ils ont beaucoup de pression dans cette fin de match. Les Anglais qui vont essayer de créer le danger. Une minute à jouer encore dans cette deuxième période de prolongation. Il essaye de trouver la faille. Il cherche des solutions là. C'est dégagé. Ouais, il a le temps de centrer. Il faut trouver l'ouverture. Suarez. Oh, de l'air pour la défense avec ce dégagement. C'est la toute dernière attaque, je pense. La défense adverse. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez. Le gardien qui repousse. Il va être le premier sur ce ballon.